Wesh. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction. Avec aujourd'hui, réaction au clip de Fresh La Douille. La Douille hashtag 5. Oui, c'est une série de clips de freestyle que Fresh a l'habitude de faire là déjà depuis quelques temps. Entre temps, il a aussi sorti d'autres sons, d'autres clips. Et les gars, je préfère être cash avec vous. Je n'ai jamais écouté un son de Fresh La Douille. Alors, pas parce que je l'aime pas ou quoi. Bah d'ailleurs, il faut écouter avant de dire qu'on aime ou qu'on aime pas, bien sûr. Non, c'est toujours bien sympa de le rappeler. Et évidemment, comme d'habitude, je compte énormément sur vous. Et encore une fois, vous avez été nombreux à me dire sur les réseaux, encore en commentaire des dernières vidéos. Ouais, réagis à des sons de Fresh La Douille, tout ça et tout. C'est le futur, c'est quelqu'un de ouf et tout. Et là, je vois qu'il vient juste de sortir là un clip il y a quelques heures. Donc, La Douille hashtag 5. Et je me dis, bon, bah là, c'est le moment de réagir. Donc, Fresh La Douille, hein, je me suis un peu informé sur lui. Bon, il a sorti déjà pas mal de sons et tout. Il y a déjà pas mal de sons qui sont dispo sur sa chaîne YouTube. C'est un rappeur donc d'Ivry-sur-Seine, donc un autre rappeur du 9-4. Franchement, le 9-4, c'est un truc de ouf, hein, ce qu'ils envoient en rap. Donc là, on va pas perdre de temps, les gars, on va y réagir de suite. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien sûr, si t'es abonné, bah t'actives la fucking cloche. Ouais, parce qu'il y a que 34% de mes abonnés qui ont activé la cloche. C'est un truc de ouf. Ouais, je vous jure, il y a des stats de malade, les gars, sur YouTube. C'est incroyable. Et aussi en commentaire, hein, tu me donnes ton avis du coup sur Fresh La Douille, tout ça, si c'est réellement le futur du rap français, tout ça, moi, je vais te le dire dans quelques instants, quoi. Let's go. Waouh. Wesh, on est au parc Astérix là, ou quoi, frère? Mon frérot, si je t'aime pas, je te fais pas la bise. J'ai la tête cramée juste à côté du cannabis. Fais rentrer les sous de midi, gros, c'est la base. Rappelez si un client copie ou collabat. Je les ai. Mais voilà qu'ils ont rien fait. J'ai sorti mon frère car je les ai menacés. Wesh. Ah ouais. Ah ouais, un flow énervé, hein. Même depuis, je suis toujours bloqué dans le ciment. Soit ça paye le rap ou bien je retape en silence. Enfin, sur le terrain, Hugo, y'a que ça qui finance. Côtoie pas de salope, j'ai plus de confiance. J'ai tout donné. Wow. Le clip est dingue, wesh. Et à quelle heure il respire le mec là? Wesh. Ouais, frère, à un moment donné, attends, vite fait, je vais prendre ma ventoline, je reviens. Waouh, ce plan là il est ouf. Voilà mon gars, il y avait le maillot d'Amien, frère. Oui, j'ai grillé, oui. Oh, hey, les transitions sont dingues, frère. Frérot, c'est un délire, je l'ai vu en flag, le gros c'est devant sa porte, son ami. Et si tu sais pas taire, par contre, c'est sûr que tu passeras mal ton année. Même 10 ans, c'est sûr, mon ami. J'ai de l'amour pour mes proches, mon ami. Ça commet des délais, chaque jour, parce qu'il faut qu'on fait ses proches, mon ami. Waouh, frère. En fait, là, j'ai eu l'impression d'être dans un sauna, frère. Et que j'étais bloqué, frère. Ouais, c'était chaud bouillant le bail là. Du coup les gars, le clip de Fresh La Douille, La Douille hashtag 5. Non les gars, là on est sur un son. Déjà, sacrée découverte. Parce que je le rappelle, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est la première fois que j'écoute un son de Fresh La Douille. Et là on est sur une thématique, on va dire, allez, ok, j'en perds ma voix carrément. Non, on est sur une thématique assez basique, ce qu'on voit et ce qu'on revoit assez souvent, voilà, avec des clips, on va dire, cités, le bail de un mec qui gère un rinté, peut-être d'autres quartiers qui viennent pour emmerder tout le rinté. Enfin bon bref, on est sur une thématique, on va dire, assez basique, mais pour moi ça sort quand même du lot, parce que déjà, juste là, on va d'abord se concentrer sur le son. Donc on est sur de la drill, ok, on est sur un flow
de Stromon. Hein, franchement, il a un sacré flow. En plus, sur, je sais pas, une trentaine de mesures comme As, frère, il est... En fait, il enquille comme ça. C'est comme si, en gros, en fait, pour imager son flow, c'est un mec qui tire, mais il a pas besoin de munitions. C'est-à-dire, il tire à l'infini, tu vois ou pas? Il y a quelques punch aussi qui sont intéressantes et tout. Mais après, voilà, on est quand même sur cette thématique-là, comme j'ai dit. Donc là, en soi, le texte, c'est peut-être pas forcément ce qui va ressortir du son, mais ce qui va plus ressortir de ce son, pour moi, c'est vraiment le flow. On est vraiment sur un flow de dingue. Et à la fin, donc il finit avec un espèce de refrain, donc un peu auto-tuné et tout, pour, on va dire, adoucir le bail. Parce que, frère, tu te prends de droite sur droite pendant tout le son. Et en plus de ça, donc je le découvre, donc je découvre aussi sa voix. Il a une voix assez charismatique. Et frère, ça c'est... Ah non, lui, il va aller loin. Donc maintenant là, je suis très curieux. Je pense que je vais aller mater les autres clips la douille pour voir entre guillemets l'évolution. Ah non, lui il va faire du mal. Lui. Après le côté clip, moi j'ai trouvé un clip vraiment de dingue. Donc tu vois, on est sur un clip entre guillemets street, mais pas vraiment. C'est-à-dire que oui, c'est un clip qui a été filmé dans une cité, tout ça, sur un espèce de rinté et tout. Mais les gars, comment ça a été filmé, je trouvais ça dingue. Donc bien sûr, je suppose qu'il y a eu l'utilisation d'un drone, tout ça, mais les bails de transition, le réalisateur, le monteur, non, il y a eu un sacré taf. Vraiment un gros yébi, à mon avis, qui a été mis sur ce clip et ça les vaut de ouf. Après, bon, Fresh, j'ai rien contre toi, frérot, mais je pense que t'es un supporter de l'Olympique de Marseille. Parce que le frérot, il avait un survêt de l'Atlético de Madrid et un survêt de la Juventus. Il manquait juste un petit survêt du Borussia Dortmund et puis on était bien. Et non, plus sérieusement, non, franchement, le clip, je l'ai trouvé vraiment, vraiment carré de ouf. Et ouais, ça fait plaisir de voir un clip bien travaillé sur un gros son, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on a un bon son et on a un clip, on va dire, un peu bâclé. On a un clip pour sortir un clip. Là, c'est un clip vraiment hyper ouf. En plus, on va dire qu'il y a une petite histoire avec à un moment donné d'autres gars qui débarquent, tout ça, et même cette séquence là elle est ouf, elle est super bien filmée digne d'un film ou d'un gros court métrage, tu vois. Donc franchement non, là dessus rien à dire. Et ouais, bah je valide que ce soit le clip et le son, je valide. Et Fresh la douille, moi je le dis, c'est l'avenir du rap français, mais clairement. Bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à donner votre avis, voilà, est-ce que pour vous Fresh la douille est l'avenir du rap français? C'est à toi de jouer. Et bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo à travers tous les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux, je suis partout les reilles. Ouais les gars, venez me follow si vous voulez me faire tenir au courant des actus. Tu veux me raconter ta life, viens rey. Bref, c'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bill. Je suis garé.